Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver. Salle comble pour découvrir le tracé du Tour de Vendée. Cette 49e édition promet d'être relevée. Le parcours voilà, est très accidenté et une course qui va à la fois dure physiquement et comme c'est un parcours très sinueux, ça ne facilite pas forcément la course. Le parcours démarre dès le départ par la bosse avec la montée du bois de Jarry, puis la côte au Châtelet-Châteaumur, la fameuse côte de la Butte. Ensuite, après les Herbiers, on revient aussi, on va passer donc, au Mont des Alouettes où il y a eu une arrivée de Tour de France en 2011. Cette année, le parrain de l'épreuve n'est autre qu'un pur produit vendéen, Walter Beneteau. Il y a quelques années, il s'y est même illustré en finissant deuxième en 2002. Forcément, les souvenirs ressurgissent. Quand j'étais gamin, mon père m'emmenait sur les courses de vélo, je n'étais pas forcément mordu. Il y avait une star en Vendée qui était professionnelle. Comment c'est son petit nom? Bernaudot. Jean-René. Petite subtilité cette année, l'arrivée se fera en retrait du centre de La Roche-sur-Yon. On ne voulait pas aller dans le centre-ville pour deux raisons. La première, il y avait des travaux et la seconde raison surtout, c'était pour ne pas gêner les commerçants. Pour cet événement, 800 bénévoles seront mobilisés.